Yop les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Captain34 et on se retrouve pour ma série Préparons l'Euro. Oui les amis, ça fait longtemps que j'ai pas fait cet épisode là, j'avais commencé par le premier épisode et après j'ai plus le temps de faire la suite. Donc on va recommencer la série les amis. Donc on avait fait le premier épisode et dans ce premier épisode je vous avais demandé dans un Astropole si vous voulez que les vidéos soient coupées ou alors qu'elles soient tout simplement non coupées. Et vous avez décidé qu'elle soit coupée. Donc ce sera des vidéos séquencées. Et donc dans cette vidéo on va faire le quart de finale et la demi-finale. Si on va jusqu'au bout bien évidemment. Pourquoi? Parce que les amis on avait gagné le match de chauffe. Donc voilà, donc on a gagné le match de 8ème de finale. Et donc maintenant on va faire le match de quart de finale. Donc on a toujours 7 équipes. Tout simplement du groupe A. Donc on va faire le groupe A dans cette vidéo. Donc on va commencer par le groupe A, puis on fera le groupe B, etc, C, D. Et donc dans ce groupe A on a un petit rappel hein, vu que ça fait un longtemps. Donc on a Berisha au cage, l'Albanais hein. C'est ça, hein, c'est un Albanais ça. Ouais c'est ça. Donc ensuite Koulibaly suivi de Tchiriches, défenseur gauche Radu avec Lichtenheuer, le Suisse, à droite. Donc, Hindler, Gökhan Hindler en milieu de terrain avec Sissoko, qui a été repris en équipe de France. Personnellement, je trouve ça vraiment bête. Parce que, voilà, ils auraient dû mettre Ben Arfa à sa place, je trouve. Mais bon, voilà. Donc, ensuite, Kondogbia dans le milieu de terrain avec Georges Entep. C'est ça, hein, c'est Georges, hein. Paul George, ouais. Donc voilà, avec notre ami Shaqiri à droite et notre ami Martial en pointe. Voilà, sous le banc nous avons plus Ruffier. Il y avait Ruffier là mais je l'ai vendu. Donc on a Loris, Char, Rodriguez, Maxime, Ben Arfa, Mbolo et Griezmann. Donc on est parti les amis pour aller faire le quart de finale. On a trouvé un adversaire les amis. Donc il a 3 de latence donc c'est bon parce que tout à l'heure j'ai joué, enfin j'ai lancé un match et il y avait le mec qui avait 1 de latence. Donc c'est pas possible hein, ça qui est 1 de latence, je joue pas contre ça. Et donc allez Mixta, s'il te plaît appuie Mixta. Bon on se retrouve dès qu'il a appuyé. Ah il a appuyé voilà. Donc on va jouer ce match, t'as pas changé de maillot toi? Change ton maillot. Voilà. Oh t'es chiant. Allez hop, allez joue. On va jouer en noir, ils vont jouer en blanc. Il va jouer en blanc plutôt. Let's go les amis. Alors, il a quoi comme équipe? Ouais, une belle équipe. Mix Ligue 1, Mix Barclay, Mix BBVA, Mix Bundes. En fait, il y a beaucoup d'équipes. Hein. Donc voilà, il va falloir faire attention les amis à cette équipe. Let's go. Oui, ça va jouer. Oh, la frappe. Dommage. Allez, les gars. On est bien dans le match. Franchement, on est bien. Donc ça me fait plaisir. Non, 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 non. Bien défendu, ça. Bien défendu. Oh, non, non. Ça, c'est but. Oh, oui, Berisha. Oh, Berisha. Mais qu'est-ce que t'es bon, toi. Mais qu'est-ce que t'es bon. Oh la passe Hindler. Oh oui la passe Hindler. Oh je dis oui. Oh je dis oui. Sissoko. Sissoko. Sissoko penalty. Penalty oui les gars. Oh mais la passe Hindler est magnifique. Hein. Ah ça tout part de là. La passe Hindler est vraiment magnifique. Et ici Sissoko qui se fait défoncer par Naldo. Bah, ça fait plaisir. Un petit penalty que j'espère qu'on va concrétiser.
Un Martial, on le tire à droite et le but. Je dis oui les gars, yes. 1-0, franchement c'est un match où il n'y avait pas eu beaucoup d'occasions. Je trouve, aux franches en tout cas. Et donc ça fait plaisir hein, qu'on mène un but à zéro juste avant la mi-temps. Oui, c'est bien joué, c'est bien joué. Oh, poteau, oui. Et le but. Mais oui, les gars, c'est Cole Kanenler qui marque ce but. Oui. Bon, on a eu un peu de chance, hein, on va se le dire honnêtement. Voilà, j'ai voulu frapper pied gauche avec Shaqiri, mais il n'aurait pas pu vu qu'il avait un joueur sur lui. Et donc, il frappe sur le poteau, la balle revient sur Cole Kanenler. Ça fait plaisir, 2-0. Yes, les gars. Bien Kokan, oh la passe de Kokan pour Martial. Martial, il s'est fait rattraper au physique et après par une bonne défense de Ronaldo. Et bim, oh la frappe, boum, le but, oui. Oh les gars, franchement, honnêtement, je vous le dis honnêtement, c'est pas mérité. 3 buts comme ça, c'est pas mérité. Mais je le presse tellement, les amis, que voilà, il perd ses moyens. Et ben, ça fait plaisir. But de Geoffrey Kondogbia. On marque. Faut quand même se rendre compte qu'on marque 3 buts en 6 minutes. Hein. Faut le faire, hein, les amis. Hein. Faut le faire. Bon, ben, les amis, ça fait plaisir. On domine largement ce match. Il a fait un tir cadré seulement. Il a 59% de possession, mais en fait, le problème, c'est qu'il essaye de rentrer dans mon rectangle et de frapper, mais le problème, c'est qu'il l'a réussi une fois. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est dans mon rectangle. Et donc, à part cette frappe-là, il a rien fait du tout, donc voilà. Moi, je suis beaucoup plus franc. J'ai marqué 8 buts. Non, j'ai fait 8 tirs, 6 tirs cadrés, 3 buts. Honnêtement, de façon honnête, 3-0, c'est beaucoup. Parce qu'il mérite pas ça, je trouve. Mais bon, voilà, on va pas s'en plaindre. 3-0, ça fait plaisir. Alors, il n'y a eu aucun suspense hein, dans la première période. On va voir si les choses changent un petit peu après le passage au vestiaire. Anthony Martial. Ouh, oh, les amis. Oh, vous avez. Putain, mais je sais pas. J'espère que je vais bien vous montrer toute l'action. Mais l'action dès l'engagement était vraiment magnifique. Franchement, toute l'action est vraiment magnifique. Bien joué ça, petite passe ici, pour Shaqiri, on tente la frappe, oh my god, le but de mon petit chéri Shaqiri. Oh, 4-0, franchement, en ce moment, je prends vraiment beaucoup de plaisir à jouer à FIFA. J'ai retrouvé mon jeu, et donc ça fait super plaisir les amis. Pour le moment, on gagne 4-0 ce match, franchement, je commence à penser que je le mérite vraiment. Même si je trouve que les 3 buts en 6 minutes c'était vraiment un peu lourd quoi, parce que il a fait quand même une bonne première mi-temps. Mais bon voilà, ça fait plaisir. 4-0. On continue comme ça les amis. Vu que les amis on domine comme ça et qu'on gagne, on fait rentrer Mbolo, Ben Arfa et Maxime dès la 56e minute de jeu. On va essayer de se faire plaisir les amis. On l'a vu ici, Ben Arfa tout seul. On tente la frappe, on tente la frappe. Oh non, fait une frappe pied gauche. Dommage. La reprise de volée. Oh my god. Oh, dommage que je la mette pas celle-là. Oh, ça aurait été dommage. Enfin, c'est dommage plutôt. Ouh, le poteau. Mon adversaire n'a vraiment pas de chance. Hein. Victoire, les amis, sur ce match, tout simplement. Sur un score de 4-0, franchement, on a largement dominé notre adversaire. Hein. On s'est fait vraiment plaisir. Et franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer ce match. Ça fait plaisir. Donc, victoire de ce match. Sur ce match, plutôt 4-0. Allons voir les stats de fin de match, les amis. On peut largement dire qu'on a mérité notre victoire. On a dominé notre adversaire.
Et donc, ça fait plaisir, on se retrouve maintenant pour les demi-finales. Allez, on est parti les amis pour cette demi-finale. On va rencontrer une équipe plutôt sympathique, encore une fois. Une belle hybride, entre... Il n'y a que du PSG à droite, il y a de la Bundesliga à gauche et de la BBVA. En tout cas, c'est une grosse équipe. Il va falloir se méfier. On est parti pour les actions de ce match. Oh, c'est bien joué. Ouh là là, il a failli me mettre un de ses buts, les amis, avec Lucas. Oh là là, ça aurait été magnifique, hein, ce but. Magnifique, le centre, la tête de Martial ou MT. En tout cas, c'est un des deux. En tout cas, c'est dommage. Boum, la frappe, le poteau. Oh my god, la frappe sur le poteau. On n'a pas de chance dans ce match, franchement. On a vraiment pas de chance pour nous. Allez, la frappe. Oui, elle est où la balle? Oui, frappe. Oh, dommage. On a vraiment pas de chance. Quand je le dis qu'on a vraiment pas de chance, on a vraiment pas de chance. Oui, bien joué Martial, le poteau, mais non, mais c'est pas possible. Mais non, mais il fait quoi là? Putain, il jongle avec son genou, s'il te plaît. Bon, voilà, c'est la mi-temps, les amis. C'est un match que je domine. J'ai plus l'impression de dominer que d'être dominé. Même si mon adversaire, franchement, est bon. Bon, à part faire des tout droits avec Royce et Lucas sur le côté, il fait pas grand chose d'intéressant. Donc pour le moment, c'est un bon match. Je domine 0-0. Voilà, confirmation que je domine quand même parce que j'ai fait 3 tirs, lui 2, 0 tir cadré pour lui. J'ai un seul tir cadré pour moi, mais j'ai 2 poteaux, les amis. Donc voilà, on peut dire que j'étais plus dangereux que mon adversaire. Oh, le tacle est magnifique. Bien joué, Chiriches. Oh my god! Mais non! Oh, le but magnifique! Thiago Alcantara, le but que je me prends! Oh, je suis dégoûté parce que c'est pas vérité. Mais bon, le but est magnifique, donc voilà, on a rien à dire. 0-1. Putain, mais à part faire ça tout le match, il a rien fait du tout, le mec. Ouais. Faudrait pas arrêter. Enfin, j'ai même pas envie de continuer à parler, quoi. Bon, j'en ai marre claque des gens ainsi. J'aurais pas dû tacler. Et là, on va se prendre le but, les amis. On va se prendre le but, c'est certain. Et voilà. 2-0, défaite. C'est comme ça, les amis. C'est comme ça. Il a bien joué le coup, il a eu un peu plus de chance, comme moi tout à l'heure. Je fais 2 poteaux, voilà. C'est comme ça. Bien gardien, bien joué Berisha. Tu m'auras fait une belle série Berisha. Tu m'auras fait une belle série. Et voilà les amis, c'est la fin de cette série avec les groupes. Ah les amis. Ben, je suis un peu dégoûté, hein, les amis, parce que franchement, je trouve pas que c'est mérité. Mais bon, voilà, j'aime pas trop son style de jeu. C'est ça qui me fait chier qu'il gagne, parce qu'en fait, il a fait que des tout droits sous les flancs avec ses Lucas et Royce. Et donc, il a eu un peu de chance. Il marque un but PES, il marque un but somptueux, mais bon, voilà. Il va le marquer une fois dans sa life. Mais bon voilà, en tout cas voilà, c'est. Il a été plus réaliste que moi. Il a marqué. Moi j'ai fait 2 poteaux, j'ai pas marqué. Donc voilà, c'est. On va dire entre guillemets c'est mérité. Mais moi je cautionne pas sa façon de jouer. Donc voilà, c'est comme ça. On va voir les stats les amis. Hein. Donc au niveau des stats, ben voilà, il mérite. Hein, donc voilà. Il mérite largement de gagner ce match, les amis. On va se quitter les amis avec un pack. Qu'on va s'ouvrir tout simplement bah, pack à 54, tiens, c'est les TOTS. Donc on va se l'ouvrir quoi avec les points. Ouais, allez, avec les points. On s'ouvre un pack avec les points à 50k, s'il vous plaît. Pourquoi pas avoir un bon joueur hein. Allez, donc ça tombe tout pile au bon moment, bon nickel.
et on chope Kandreva. Voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Captain 34, prenez soin de vous. Ciao ciao tout le monde.